Hop, c'est parti pour la suite. D'élève à un tour. Cher Gerwa, on va guerroyer. Eh ben, ça commence sur les chapeaux de roue, cette troisième partie de l'épisode 9. C'est la folie! C'est la folie. Merde, je suis trop chargé. Non! Putain, mais c'est incroyable ça! Faut que je me débarrasse de la viande de rat, ça pèse trop lourd. Voilà, j'ai vendu, merci, j'ai perdu 2 unités de poids. Alors. Ah, puis il y a par là-bas aussi. Attends, je vais commencer avec cette petite cavité. Ça est une petite cavité qui est à qui est. Et voilà. Oh, je dis oui. Je la bois carrément. Comme ça, c'est fait. Attention, je décelais au moins un lutin. Il y avait un rat. Yeah. Je l'ai explosé. Et c'est pas vrai, déjà. Je peux plus rien faire sans être surchargé. Je continue la rime. Mais non, mais. Mais c'est n'importe quoi. Ah, il y a un coffre! Ah non, ça va. J'allais dire ce coffre va me surcharger. Non, ça va. Il y a quelques petites piécettes. Bon, oui, prenons. Alors attends, j'aimerais bien faire le sort capture de mort, j'allais dire. Capture d'âme. Ah, j'ai pas assez. Je suis dégoûté. Tiens, je savais pas qu'il y avait de la porte ici. Il n'a pas eu le temps de réagir, je l'ai pulvérisé. Ah! Il faut que je fasse quelque chose avec ma build de lutin là, c'est obligé. Non, mais j'ai plus rien qui se combine. Oh, c'est nul. Oh! Putain, il m'a fait peur! Trop vite. Faut que je passe une cure d'amaigrissement derrière ça. Je suis déjà surchargé. Non, ah, j'aurais pas dû. Ah. Je vais m'enquiquer, mais j'aurais pas dû. Je prêche par excès de confiance. Ah! Et c'est pas bien. Faut que j'arrête d'être excité et que je me. Hein? Et que je me ressaisisse. Oh! Oh! Je ne vais certainement pas prendre ces pièces d'armure. Par contre, je vais peut-être larguer du lest pour le coup. Reste à savoir quoi. Reste à savoir quoi. Ha! Je me dis que ça fait quand même de la thune les boucliers de cuir, mais ouais, je vais les abandonner. Je vais les abandonner parce que le ratio poids-pognon.
Mais ouais, vraiment, en tant qu'alchimiste, il faut que je mise là-dessus. Parce que ça rapporte l'alchimie. Ça rapporte. Ah, c'est vrai ça! J'avais oublié que j'avais un marteau d'apprenti. Merde, non, je voulais pas le mettre dans le coffre. Quel abruti! Je voulais en faire usage. Ah oui, non, c'est le cadavre qui bouge à la surface de l'eau. Je me disais, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Je commençais à tiquer là. Ah bah oui, l'arc. Bien. Stylé. Ah oui, je répare mes pompes. Yeah. Oh là là. Ah, j'ai plus de gants. Mes gants sont complètement explosés. Ben mais c'est le. Ah puis sinon ouais c'est vrai que j'ai les torches. On est d'accord hein, ils ont pas de masse ouais. Et tu me laisses 156 millions de torches. C'est par la magie des démons, elles n'ont pas de. Ah ouais. Caché. Ça par contre ça caché je m'en souvenais plus. J'y suis allé? Ah oui aussi. Oh là là. Oh là là. Puis je vais peut-être faire ma vie aussi. Enfin faire ma vie. La santé avant tout, on va dire ça. J'ai rien pour refaire ma santé. Y a pas un ingrédient que je peux bouffer comme ça? Non, apparemment non. J'ai pas de gigot d'agneau. Ah, mince, 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 mince et mince. Donc, il faut que je buve de la potion mana là. Et que je fasse guérison. Ah, je peux faire en une seule fois le. Waouh. Oui, j'aurais peut-être mieux fait. Ouais, je pense que j'ai un meilleur rendement à. Enfin bon. Je m'en suis compris. Ah oui, c'est la salle où il faut faire une piquer une tête, ouais. Attends, l'or, c'est. Il n'y a pas de souci. Mais alors, ça, par contre. Non, profanatrice. À une main. Oh là 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 là. Atténuation de tout. L'agilité, l'endurance, l'intelligence, la chance, la personnalité, la rapidité et la force. Mais vu son poids, je suis obligé de me séparer d'un autre truc. Mais non, elle est pas si top que ça, en fait. Parce qu'elle fait pas beaucoup de dégâts. C'est. Voilà. C'est dingue, mais je l'ignore. Bizarre la vision nocturne sous l'eau. Oh là là, ça fait trop flipper.
Non, je crois qu'il y a rien de particulier ici. J'ai bien, je crois. C'est par là-bas qu'il faut que j'aille. C'est ici que c'est intéressant. C'est bien, il m'a donné sa magie, cette nunuche. Bien joué de sa part. Ah. Oh, la taille des champignons. Il ne fallait pas se précipiter. Oh yeah. Sympa, j'apprécie les cadeaux. Punaise. Résistance à la maladie. Oh, sympa. Très très sympa. Armure lourde. Ben, je veux bien les prendre. Pour le coup. Pour le coup, je vais m'en équiper. Voilà, même mon casque, il est défoncé. J'ai même plus de casque. C'est dire l'état de mon matos. C'est une catastrophe. Ah oui, y a... enfin il y avait. Voilà. Oh non, mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Non, mais non, mais non, je vais pas la prendre, hein, vu la masse. Ah. Oh. Oh oh. Oh, magnifique. Miner bound. Un squelette aussi, je prends. Attends. Le miner bound. Il est où le miner bound? Bah oui que je vais prendre ce sort. Cuirasse. Ah, cuirasse. 20 secondes sur soi-même. Comment s'endurcir? Alors. Ah, mais c'est pas possible. C'est pas possible. La bile de lutin. Les feuilles de prime vert. Ah! Bon, bah alors je vais faire ça. Voilà. Hop, retirer. Ça, retirer. À part les feuilles de prime vert. J'ai... Bah, la fleur d'acanette encore. Les graines de lin. Si seulement je pourrais faire quelque chose avec les graines de lin. Ah là là. Censé faire le regain de magie à graines de lin. Ce qui me rend fou. Ah là là, elle fait plume et bouclier. Non mais elle a toutes les vertus, la graine de lin. La viande de rat, tu vois, je vais rien faire avec. Réduction de fatigue, allez hop. J'ai monté de niveau avec la chimie, dis donc. Je suis invité à me pioter.
Le problème c'est qu'il n'y a pas de lit ici. Ah oui, c'est pas aménagé, c'est pas habité par ici. Hop là, attends, je saute dans le... Mince, c'est pas la bonne. Bah bravo. C'était pas la bonne sortie. Alors, on y revient, voilà. Oh, il va tomber dans la porte, ce con. Non. Il y aurait pu. Ah. Bon, bah voilà. Alors attends, la carte. Ouais. Si je peux me trouver un lit. Il ne foutait plus mère. Caverne de verte près. Non, il faut que je revienne en arrière. Il faut que je reparte par là-bas en fait. Oui, je me suis bien fait mal. Aïe aïe aïe. Mais il n'y a pas de plumard. Attends, minute papillon, sérieux. Si je trouve un plumard, il faut que j'en profite. Non, là, stratégiquement parlant, je peux pas négliger ça. Alors, attends, là, c'est la sortie. Mais je dois avoir une chambre... Merde. Il y a la cavité là, mais il n'y a pas de lit. Ah, je suis deg. Ok, la sortie est par là. Alors attends, je sais pas. Oui, apparemment il fait nuit, je crois voir les étoiles. Oui, il est 3h du petit matin. Alors je vais rester en vision nocturne. Et ben c'est hyper pratique. Ça change la vie. Ah, c'est trop bien. Attends. Ah, c'est la même chose. Ah non, attends. Minute papillon. D'accord. Xvash. Voilà, la cité impériale. D'accord. Mais là, ça mène à quoi? Je vais aller faire mon curieux.
Ah ouais, d'accord. Oula. Oula là. Une autre fois. Ah ouais, non mais là... Oui, il y a un côté luisant à la structure avec la vision nocturne. Et c'est tout partout. Non mais là, il faut que j'aille en ville parce que je suis chargé comme une mule et j'ai plein de trucs à vendre. Je me demande si je vais pas m'arrêter à la cité impériale. Ça va, Bou? Attends, là, je suis complètement... Je n'ai pas de temps à perdre en vaine discussion. Alors allez-vous-en avant que je m'énerve. Ah, pardon. Je pensais pouvoir me rendre utile. Je... J'ai tellement risqué de se promener de nuit. Ah, on devine un petit chemin, là. Il sentait la noisette. Oula, oui, j'ai pas compris, j'ai eu un lag. Ah, c'est moi qui suis Nigo, je suis en train de faire un transfert de fichiers en même temps que d'enregistrer ma partie. Donc mon ordi est un petit peu en PLS, surtout le disque, au niveau de l'écriture. C'est pas comme si c'était le même. Attention. Est-ce que ça vaut le coup de descendre là? J'ai pas l'impression, non. Vu le pont de pierre, il est plus loin. Ouais, il est là-bas le pont de pierre en face. Voilà. Oui, je vais aller à l'auberge, tiens. Je vais foutre mon cheval là. Je sais pas si c'est approprié ou pas, mais... Je vais aller à l'auberge. Alors, je vais peut-être me changer. Je vais retirer hop l'anneau magique. Oh là là, superbe. Oui. Mes atouts de séduction, où sont-ils? Voilà. Oui, j'ai plus besoin d'être armé. Voilà, là je suis bien. Salut. Tout ce qu'on raconte au sujet des trolls et du feu, c'est des histoires. D'accord, ils n'aiment pas le feu. Mais une bonne vieille épée est tout aussi efficace contre eux. C'est ce que j'ai entendu dire. Vous avez entendu des nouvelles en provenance des autres provinces? Il n'y a rien dont j'ai envie de parler. Oh. Bonjour. Prenez soin de vous. Bienvenue à l'auberge de Wavenet. Désirez-vous une chambre ou peut-être un peu de vin? Faisons affaire. Ah, elle vendait des trucs. Ah ouais. Oh là là, le sanglier coûte une blinde.
Même le jambon coûte pas cher. Oui, alors attends. C'est un plaisir de vous compter parmi mes clients. Oui, merci. Des rumeurs? Ceux qui ont fait de bonnes actions sont bénis quand ils prient à l'une de ces pierres sanctuaires et leurs maladies sont également guéries. C'est bon à savoir, ça. C'est vrai qu'on l'oublie trop souvent. Je veux bien un lit, s'il vous plaît. Je suis claqué. J'ai un lit de libre pour quiconque m'en offre 10 pièces d'or. Ça vous intéresse? Parfaitement, madame. Comme vous voudrez. Allez à l'étage. La dernière porte sur votre droite. C'est votre chambre pour la nuit. Dormez bien. Merci, Dame Nerussa. Bon voyage et soyez prudent. Oh non, je me fais interpeller par un casse-noisette là. Eh oh. Voilà. Une petite sieste. Alors. Hop, la force. Magie. Oui, agilité. Oui, bah c'est tout trouvé. C'est tout trouvé. Putain, la force. Gwendoline, à la base, pourtant, elle semblait bien en chair en 3D au début, là, si je puis dire. Mais faut qu'elle se muscle. Hein. Elle est sous la moyenne. Au niveau de la force. Hein, Dieu. Tu vas voir, en fin de partie, je vais être archimage, je vais pouvoir transporter jusqu'à 500 unités de masse. Ça va être complètement craqué, pété. Ça va finir à Dragon Ball Z. Ça va être drôle. Ah là 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 là, si seulement. Si seulement si seulement j'y arrivais à faire les potions que j'ai envie. Voilà. Ah mince. Out. Bouh. De toute façon, je me rends dans cité impériale. Oh là là, je vais laguer le jeu. Au secours. Quoi, toi? You need something special? Ah, il propose... Faisons affaire. Ah! D'accord, c'est un marchand ambulant. Je comprends mieux son enthousiasme. Oh, casque du marais noir. Oh! Respiration aquatique. Putain, c'est intéressant, mais j'ai pas assez de thunes. Ah, c'est dommage. Parce que le casque du marais noir, ça m'aurait plu. Ouais, je veux bien lui vendre. Oui, oh, je résiste à la maladie à la base, mais... ouais. Après, j'hésite. Est-ce que je revends les... Oh là là. Je vais faire mon idiot, mais j'ai pas envie de revendre des bouquins de sorts alors que je les ai consommés, mais j'ai envie de les garder pour moi en fait. Pour me dire, tiens, je les collectionne. Et c'est stylé pour un mage d'avoir ça, c'est stylé. Ah, la peau de loup, je peux lui vendre. Et bah, je lui vends ça comme ça. Allez hop. C'est plus que ce que je paie d'habitude. Oh et oh, dites oui. Dites oui. C'est une bonne affaire.
C'est plus que ce que je paie d'habitude. La 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 la, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vendre. Didadidouda. Bon, ça vaut de la thune. Hop. Ça vaut de la caillasse, j'ai le vin. Bien, pour ceux qui écouteraient par hasard la vidéo, qui regardent mon ralenti, hein, merci à vous. Comme je sais que je vais pondre ça sur YouTube, c'est pour ça que j'ai fait un bel habillage par rapport au 16/9 alors que le jeu est en 4 tiers. Bref, je m'égare. Je commençais à chanter un air que j'aime beaucoup d'une œuvre manga animée que j'aime bien, c'est Hajime Kindaishi. Donc vous cherchez sur internet les enquêtes de Kindaishi et croyez-moi que la musique, je l'adore. Si vous aimez l'ambiance un peu thriller, mystère, c'est de la résolution d'enquête en fait, d'affaires judiciaires. Et la musique, franchement, elle est vachement bien. Je suis l'heureux possesseur de 2 albums en dur, hein, et c'est du bonheur sur cette œuvre. C'est que du bonheur. Wally Wallou. Ouais. Ouais, c'est intéressant ce qu'il proposait. N'hésitez pas à parler de moi à vos connaissances. Yep. Des rumeurs. Le renard gris a l'air dangereux. Oh là là, m'en parle pas. Bon, mon cheval restera ici. Hein, mon grand, on se retrouve dans 1 ou 2 jours. Moi, je rentre dans la capitale. Si je retrouve le chemin. Là-bas. C'est pas comme si c'était énorme en pierre. Visible à 15 bornes. Ah. Et tu cours. Et j'ai pas le droit de chanter. Est-ce qu'il y a les droits d'auteur qui vont s'appliquer? En fait, j'étais parti pour encore une autre référence culturelle musicale. J'étais parti pour chantonner le groupe Pacifique. Un groupe alors français. Je serais tenté de dire que c'était un groupe qui vient de Bordeaux, mais j'en suis plus sûr maintenant. Mais j'aime bien. Malheureusement, le groupe n'a pas duré longtemps. C'est dommage, ils auraient pu faire du pop rock. Franchement, c'est de la musique de qualité. Papa les pipi pipipou. Papa la pipi pipipou. Parlez. Non, je ne parlerai point. Je garderai le silence. Et le silence. Bon, alors, il est où le quartier des pépettes, là, le quartier marchand? Je veux aller au quartier marchand. Palais, jardin, nanan, sanctuaire, arène, quartier marchand. Oh là là, oui, j'ai encore de la route à faire. Ah oui, à chaque fois que je viens ici, je me rappelle de la crypte. Il y a une crypte de fous furieux par ici. Parmi le cimetière en arène. Et c'est vrai que sérieusement, c'est vachement bien pensé l'infrastructure, le dessin des lieux. Il me dit vaguement quelque chose, ce monsieur. Mais c'est là-bas le marché. Je vais aller faire déjà faire. Déjà faire et d'en faire. Ah, la sauvegarde. Parce que là, il y a du taf. Il y a du taf en marchandage. Là, ça déconne zéro. Ah, puis il faut que je fasse réparer mes armures. Ah non, c'est le vilain, là. La bourse bien remplie, c'est le... Chez le traître. Chez l'escroc. Forgeron, s'il vous plaît, forgeron. Il me faut un forgeron. Mais pourquoi c'est pas ouvert? Il est 8h du matin, ils ouvrent à 9h? Oh, ils sont terribles. Enfin, tu me diras, c'est pareil chez nous. Le magasin commence à ouvrir à 9h, 10h du mat, mais il ferme tard, en fait. C'est ça, la logique. Ah.
Ah là là. Bon, bah je suis condamné à attendre un peu comme un clampin. Joueur. Non, si je vais là, je vais tenter de retourner dans les égouts. Il va encore se passer des trucs. Ah, les égouts, j'y retournerai peut-être à l'épisode prochain, l'épisode 10. Mais d'ailleurs, je crois que je vais changer l'illustration de... Je me sens mal à l'aise d'avoir shippé le logo d'Oblivion sur je sais pas quel site, là. J'ai envie de le refaire à ma sauce, à la main. Comme ça, j'aurai entre grosses guillemets les droits de... Parce que tout le reste, je m'assure que même les polices de caractère soient libres de droits, que je me fasse pas attaquer pour droit d'auteur. Enfin, bon. Procurez-vous votre exemplaire du courrier du cheval noir ici. Ah, ça y est, il fait la distribution. C'est la distribution du courrier. Mais non. J'ai fait n'importe nawak. Oh là là, il faut que je fasse affaire avec un alchimiste. C'est obligé. Obligé, je peux pas y échapper. Ah. Bon allez les marchands, s'il vous plaît, ouvrez. Le forgeron, je vais faire réparer mon armure, moi. Ah, encore 10 minutes à poireauter. Ave, Sheja. Qu'y a-t-il ? Boyoul, mon armure, elle est complètement cassée. Est-ce que vous pouvez me la réparer ? Je peux réparer tout ce que vous casserez. Ah, du mal à Sul. Ah, presque 100 or de facture. Dur. Mais bon. C'est indispensable, donc je paie. Des rumeurs ? Fintias possède la meilleure librairie de la ville. C'est vrai aussi que Première Édition est la seule bibliothèque de la ville. Bravo, c'est malin. Oui, tu vas. Faisons affaire. Oui. Attends. Alors, moi, soyons certains. Il n'y a rien que je veuille me séparer. Ah, mais elle pèse lourd. C'est ça qui m'ennuie. Elle pèse lourd, l'épée longue de Scousse. Elle est bien, mais qu'est-ce qu'elle pèse ? Ah. C'est ça qui me bouffe. C'est le poids, la masse me rend fou. Ah là. Ouais. Puis les dagues, je vais les collectionner parce que je vais tenter de les enchanter plus tard. Quand je vais me lancer dans l'enchantement, mais ce sera plus tard l'enchantement. Je vais d'abord maîtriser à mort l'alchimie. Et seulement après, je ferai l'enchantement. Ouais. Bon, allez. Je vais voir ce qu'elle a proposé. Hein ? Ah, d'accord. Remarque, c'est pas cher, 20. J'en connais qui me vendent les marteaux d'apprenti 60 boules, hein. Alors là, à 20, franchement, elle est honnête, elle. J'aime bien, j'apprécie. Là, pour 400 pièces d'or, je lui achète les 20. Mais ça m'encombre de 20 de poids, ouais. Bon, bref. Ouais. L'épée de la haine. Oh, elle est hors de prix. Elle est hors de poids aussi. 40 unités de masse, non mais ça va pas, non. Ah, un bon ratio poids-puissance. Oh là 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 là, les engins de destruction, toi. Oh là là, les clés morts. Ouais, c'est à deux mains, les clés morts. Aïe aïe aïe.
là 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 là. Bon, bref. Non, mais merci. Adieu. Adieu, ma grande. On a fait affaire. C'était merveilleux, merci. Un alchimiste, il me faut un alchimiste. Oh, salut, toi. Ah, il est pressé. Il m'a mis un vent, il est pressé, il doit distribuer le courrier. Remarque, il courait pas, mais bon. C'est que le début de la journée. Les trois frangins. Est-ce qu'ils vendent de l'alchimie, les trois frangins? Disons que vous donnez l'impression de quelqu'un qui pourrait nous aider. Pardon? Nous avons quelques petits problèmes avec un autre commerçant de la ville, du nom de Toronir. Ah oui. Oui. Allez-y, je vous écoute. Jensine est la dame à laquelle vous devriez parler au sujet de Toronir. C'est déjà fait, je sais, c'est la commerçante en chef. Bon, des rumeurs? Un nouveau bateau vient de s'amarrer dans le port. La Marie-Hélène. Il me semble que c'est une galère. Oui, bah j'irai voir la Marie-Hélène bien plus tard. Encore que je me souviens de l'épisode du phare. Le phare était magnifique. J'y retournerai volontiers. Mais il faudra plus pour que... Jetez un œil. Vous ne trouverez pas de meilleur prix dans tout Amriel. Oui. Oh, ça coûte cher les flèches. Vache. Un casque de fouilleur, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, rien que la lumière sur soi en effet permanent, ça vaut le coup. Eh ben c'est con, mais je serais pété de thunes. En plus, le design du casque a l'air particulier. J'aurais été pété de thunes, je l'aurais acheté. Ah non, trop fort. Enfin bon, c'est bon, j'ai l'anneau, donc c'est cool l'éclairage. C'est cool. Oh là là. Oui, ils vendent des ingrédients. Regain de santé et regain de magie. Alors ça, je prends. Je n'aurais pas fait une telle offre à n'importe qui. Oh, j'ai trop aimable. Non, il a que ça comme ingrédient. J'ai cru qu'il allait me faire une longue liste. Je suis dégoûté. Oh, il me fait moins cher. Il me fait moins cher le marteau. Tiens, tiens. Eh bien. Oui, ben on verra plus tard. Merci. Vous êtes ici chez vous. Merci. J'ai failli dire toi aussi. Bonne journée. Lui, il parle ou il vend aussi autre chose? Tertullian, Sergius et Cicero. Les trois frères Verus. Je suis Sergius. Tu vends aussi Sergius, mais la même chose que... J'offre les meilleurs produits de tout Cyrodiil. Au prix les plus compétitifs. Ah oui, tu n'offres pas du tout les mêmes articles, enfin propose pas du tout les mêmes articles que ton frangin. Waouh, la larme à Kiviri, à Kaviri, pardon. Waouh, ça bousille des armures et des armes d'un seul coup, et c'est mieux qu'un katana ce truc. Waouh, je comprends pourquoi elle coûte la peau du cul. Celle-là aussi, j'aurais eu la thune, je l'aurais achetée. Waouh. Autant dire que ton adversaire, il a zéro défense. Oh là 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 là. À plus tard, les enfants. Merci. Aussi. À plus. Le troisième frère est pas là. Non, bah, il fait autre chose. Bref. Alchimie. Article comme neuf. Oui, c'est un... Chaque fois, je dis tueur à gage. Ah bah, c'est la commerçante en chef. Avez-vous des nouvelles de la mission dont nous avons discuté? Non, pas maintenant, Dame Jeancine. Par contre, je veux bien acheter... J'offre les meilleurs produits de tout Cyrodiil, au prix les plus compétitifs. Oh là là, il y a de ces lames de fou. Potion, ça... Elle vaut rien. Bon. Je suis tristesse. Amulette à joyaux. Ça va, tranquille. Tranquille. Bon, à plus. Ah non, une rumeur peut-être. Doul Groschug est toujours à l'aise en armure légère. Il se déplace très bien avec. Merci encore de votre aide. Nous ne pouvions faire appel qu'à vous. Oui, je sais. Malheureusement. Je vous salue, bon citoyen. Que puis-je pour vous? Oh! Y a-t-il un problème, citoyen? Quel fil bon citoyen, dis donc. Oh, bonjour, cher Oden Avidus. L'empereur est mort, tout comme ses héritiers. Nous sommes une légion qui n'a plus de chef.
Les lames étaient responsables de la protection de notre seigneur, et elles n'ont pas été à la hauteur. Si vous rencontrez des problèmes, venez me voir. Oui, merci. Mais bientôt, à votre grande surprise, vous aurez un nouvel empereur. Et un bon empereur, croyez-moi. La musette, on dirait une auberge. J'ai peut-être fait erreur. Ah oui, vu les tables. Oui, non, c'est... Au revoir. C'est bon. Procurez-vous votre exemplaire du courrier du cheval noir ici. Voici un exemplaire du courrier du cheval noir. L'identité du renard gris dévoilée. Oh oh. Mais qui... Bijouterie du diamant rouge. Je pense que ça vaut. Je vais aller voir. Que puis-je pour vous ? Bonjour, d'abord, malotru. Rumeur ? L'ingrédient principal est un excellent endroit. Où faire ses courses quand on est alchimiste. Ah, merci de me l'avoir rappelé. J'avais oublié le nom de l'échoppe. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises ? Ah oui, il est bijoutier orfèvre. Donc ça ne m'intéresse pas. Au revoir. Bonjour. Non, c'est ça qu'il fallait dire avant. Bon. Oui, il est où, lui ? L'alchimiste de renom. Ah, il est là. Il est là. Il est tout proche. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, c'est la moule qui frappe à ta porte. Si vous avez des questions sur les marchandises, il vous suffit de les poser. Ah oui. Alors là, crois-moi, oh, tu peux me balancer une rumeur, là. Quand on cherche du travail, la guilde des guerriers, c'est pas un mauvais choix. Je me suis laissé dire qu'elle était toujours à la recherche de nouvelles recrues. Alors... Faisons affaire. Faisons affaire. Dadidada. Ah, alors... Ah, regain de santé. Je t'achète tout ça. Le pire, c'est que la manie de tue-mouche peut en trouver je sais plus où. Et je pourrais en faire la récolte. Mais bon, comme le prix est correct, je prends. Regain de magie. Mais oui. Vous avez la négociation dans le sang. Et encore, t'as encore rien vu. C'est une excellente affaire. Je vais racheter toute la ville. Un jour. Oh là là, oh, ça coûte cher. Oh, rappelez-moi de chasser le sanglier, hein. Je vais faire fortune. Hein. Ouais, non. Alors après la citron. Oh, cœur de Daedra. Oh là 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 là. Quand je serai fort, je pourrai les chasser en Oblivion. Et alors là, ça va être le... Je vais commencer à rouler sur l'or à ce moment-là. Ce sera énorme. Ce sera énorme. Oh putain, ça coûte cher l'ectoplasme. Et lui, l'ectoplasme, c'est les restes d'un fantôme. Oh là 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 là. Fortification de magie, ça peut être pas mal. Les feuilles de ginkgo. Je vais les acheter, tiens. Je vais les acheter. Un fromage entier. Ah, magnifique. Oh, ça coûte cher, hein, le ginseng. Mais c'est génial. Le ginseng, tu fais des trucs merveilleux avec. Oui. Réduction de santé. Caméléon fardeau, un jambon. Ouais. Langue de dragon. Regain de santé. Oh, ça coûte cher. Je vais en prendre qu'une. Vous êtes très dur en affaires. Ouais, mais tu coûtes cher quand même. Ah, regain de magie, ouais. Ah, je prends les deux.
Regarde ma vie, je crache pas dans la soupe. Oh là 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 là. Des radis. Raisin. Ah ouais. Ouais. Bon bah j'achèterai pas plus en fait. J'achèterai pas plus. Alors lui il va m'acheter une potion par contre. Oui bah j'ai plus besoin parce que j'ai un anneau. Je vais pas garder ça. Ça c'est sympa. Ça c'est sympa aussi, guérison du poison. Mais ouais. Faut pas que j'en garde 50 non plus, mais. Lumière, j'ai envie de dire. J'en ai plus vraiment besoin, mais bon, on sait jamais. Je vais peut-être me les garder exceptionnellement. Regain de volonté, je vends. Le regain de magie, non, je garde. Guérison de poison sur soi. Ah, ou alors je vends toutes celles-ci. Allez hop. Guérison de maladie, le regain de fatigue. Regain de fatigue. Le regain de force. Ouais. Ça ne sera pas très utile et ça rapporte. Excellente transaction. M'en parle pas. La réduction de fatigue. Tac, tac. C'est plus que ce que je paie d'habitude. Je veux pas t'entendre. C'est plus que ce que je paie d'habitude. C'est plus que ce que je paie d'habitude. Mais il me cherche. Il me cherche. Ah oui, non, mais l'alchimie, ma fortune est faite. Hein. C'est mon métier principal en tant que mage. Je suis avant tout mage alchimiste, pour commencer. Je fais toujours des bons prix à mes bons clients. Je fais toujours des bons prix à mes bons clients. Oui, bah je vais la vendre. C'est un prix équitable. Yep. Je vais lui en vendre beaucoup parce que j'en ferai rien quand je vois les propriétés. Excuse-moi, mais ah, ça a un regain de santé. Je vais évidemment garder ça. Je préfère les garder parce que je sais même plus où est-ce que je les avais eu. Ah, pareil, lumière, c'est toujours bien de faire des potions de lumière. Oh, les graines de lin, les sacro-saints graines de lin. Ouais, bah c'est cool. J'aime faire affaire avec vous. Bah oui, moi aussi. Bonne journée. Cool. Ah, je suis ravi. Alors, mon poids, ma masse. Ah, je suis encore bien chargé. Attends, là, il faut que je trouve une soluce, là, parce que... Non, je suis encore blindé, chargé comme une mule, ça va pas. Tiens, tant que je suis là, je vais essayer de recharger le... hop. Ah ouais, 800 points. Waouh. Pareil, l'enchantement, ça vaut le coup. Faut maîtriser, mais ça vaut le coup. Bon, bah oui, mais bon. Ça, je vais le garder pour l'enchantement. J'ai les fringues.
je vais faire mes potions de... De regain de magie, va. Bah oui, pense bien. Voilà, magnifique. Ça, c'était pour faire la santé, normalement. Voilà. Regain de santé. Très bien. Non, c'est nul. Non, ça, je vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Ouais. Papaya payou, yipiou. Bon, bah, objectif suivant. Point d'interrogation, que faire? Que faire? Donc là, je suis prêt à repartir à l'aventure, en fait. Est-ce que je tente une excursion à l'université Arcane? Pourquoi pas? Ça pourrait pas être mauvais, je pense pas. Attends, l'arboretum, je suis pas sûr du... Ah si. Je suis au bon endroit. Salut. Bah bonjour. Que puis-je pour vous? Bah je sais pas, mais tu as été bien poli de me saluer, rumeur. La guilde des guerriers recrute de nouveau. Ce n'est pas un mauvais moyen de gagner de l'argent, à condition d'avoir suffisamment de cran. C'est sûr. À plus. Au revoir. Au revoir. Ah mais non. Bon bah tant pis. Écoute, de toute façon j'avais rien de spécial à y faire. J'y allais comme ça de manière opportune. Non, il faut que j'aille là-bas. Bonjour. Comment ça va? Je m'appelle Ida Autus et j'aimerais vous parler de Mère Mara. Ah oui, bien sûr. Des rumeurs? Le renard gris a l'air dangereux. Ah. Nous verrons bien. J'ai envie d'essayer. Alors, admirer, elle aime pas. Plaisanterie, elle aime bien. Contrainte, bof. Ouais. Alors, admirer, elle aime pas, ok. Vraiment? Intéressant. D'où est-ce que vous tenez ça? C'est bon, ça. Elle aime pas l'admiration. N'essayez pas de me manipuler. Vous gaspillez votre salive. Je crois que tu dis vrai. C'est remarquable. C'est super. Comment ça... C'est vraiment ridicule. Oh, je vous en prie. Oh, yeah. J'étais bon sur ce coup-là. La cité impériale? La bénédiction de Mara vous accompagne, vous et tous ses enfants. Allez lui parler au temple de l'Unique. Demandez à Mara, et elle fera tomber une pluie d'amour sur votre cœur. Oh là là. Au revoir. Au revoir et bonne Saint-Valentin. Ah. Je vous salue, bon citoyen.
Que puis-je pour vous ? Bonjour. Je vous écoute, citoyen. Des rumeurs ? L'empereur est mort, tout comme ses héritiers. Nous sommes une légion qui n'a plus de chef. Les lames étaient responsables de la protection de notre seigneur, et elles n'ont pas été à la hauteur. Allez, Zou. Pas plus. Si vous rencontrez des problèmes, venez me voir. Qu'y a-t-il, citoyen ? Eh bien. Ah, c'est vrai que j'aurais pu mettre le cheval là-bas. Ah, j'ai le droit à une armure, je crois. La prochaine fois, il faudra que j'y pense. Mais j'ai le droit à une armure. Alors, attends. Je vais remettre mon truc de guerre, là. Jambière de fer... Bah, je vais mettre les bottes là pour changer. Non, je vais pas mettre la vision maintenant. Oui, bah, je vais garder ça en attendant. Oh, stylé! J'adore. Chevaucher mon fidèle destrier, et le problème c'est que je vais couper là parce qu'il est l'heure de manger pour moi. Je crois que cette troisième partie du deuxième épisode va faire tout juste une heure. Oh, la texture a pas le temps de charger au sol. C'est rigolo, on dirait qu'il y a de la boue et de la crasse au sol. J'ai guaqué le jeu, c'est pas grave. Oh, la pluie arrive en plus. Oh. Ça y est, mon cerveau bug. Pour dire que oui, je partirai à l'aventure lors du 10e épisode. Et je pense que, exceptionnellement, je voulais pas toucher, je pensais graver dans le marbre mon habillage. Mais je vais changer le sigle qui vient sur le côté. Sur le côté gauche, je vais faire à ma sauce. Je vais m'amuser à me le dessiner en fait. Comme je l'avais expliqué en début d'épisode. Donc mon cheval il est là-bas. Quelle heure il est d'ailleurs? J'ai même pas regardé dans le jeu. Ah bah il est midi. Comme dans la vraie vie. C'est quoi ça? Ah, c'est un fil. D'accord. C'est une bobine de fil. Oula. Bon, bah, je vais partir à l'aventure au prochain épisode. Mais je sauvegarderai là. À la prochaine. Merci de suivre mes aventures, ou surtout celles des chroniques de Gwendoline.